Autrefois, et jusqu'à tout récemment, les vendeurs de vin utilisaient des outres faites de peaux d'animaux cousues pour le stockage et le transport de leurs marchandises. Les outres, avec le temps, se fissuraient et elles n'étaient plus réutilisables, surtout pour contenir le vin nouveau. Elles étaient utilisées pour le vin ancien qui était moins fort. Cette imagerie est utilisée par Jésus pour nous donner une leçon de la plus haute importance. Dieu a encore des messages à transmettre au monde, alors que celui-ci s'approche inexorablement de sa fin. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sont déjà en cours de réalisation. Nos esprits doivent être ouverts à l'œuvre du Saint-Esprit, ouverts aux enseignements de sa parole. Nous devons étudier les Écritures sans idées préconçues et sans préjugés pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Que représentent les vieilles outres? Que représente le vin nouveau? Vieilles outres et vin nouveau. Luc 5, 36 à 39. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf en morceaux pour le mettre en vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut de nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Les outres en pot, destinées à contenir le vin nouveau, devenaient à la longue sèches et friables, et ne pouvait plus servir à cet usage. Jésus indiquait par là la condition des conducteurs juifs. Prêtres, scribes et chefs se perdaient dans une routine de cérémonies et de traditions. Leur cœur s'était contracté comme ces outres à vin desséchés auxquels ils les avaient comparés. Aussi longtemps qu'ils se contentaient d'une religion légaliste, ils ne pouvaient devenir dépositaires de la vérité vivante venant du ciel. Ils jugeaient suffisante leur propre justice et ne voyaient pas la nécessité d'introduire un nouvel élément dans leur religion. Ils ne concevaient pas le bon vouloir de Dieu comme indépendant d'eux-mêmes. Ils comptaient le mériter par leurs bonnes œuvres. La foi agissante par la charité qui purifie l'âme ne pouvait s'allier à la religion des pharisiens faites des cérémonies et des préceptes humains. Il était vain de vouloir unir les enseignements de Jésus à la religion établie. La vérité vitale de Dieu, telle un vin en fermentation, ferait voler en éclats les vieux récipients délabrés des traditions pharisaïques. Les pharisiens s'estimaient trop sages pour être enseignés, trop juste pour avoir besoin de salut, trop honoré pour solliciter l'honneur que le Christ pouvait leur conférer. C'est pourquoi le Sauveur se détourna d'eux et se mit à la recherche de ceux qui seraient disposés à recevoir le message du ciel. Des pêcheurs ignorants, des péagers trouvés sur la place du marché, une femme samaritaine, des gens du commun qui l'écoutaient volontiers. Voilà les outres neuves préparées à recevoir le vin nouveau.
les instruments aptes à servir la cause évangélique sont les âmes qui reçoivent avec joie la lumière que Dieu leur envoie. Ce sont elles qui sont chargées de communiquer la vérité au monde. Si les serviteurs du Christ consentent à devenir des outres neuves, par la grâce de Christ, il les remplira de vin nouveau. Bien que comparé à un vin nouveau, l'enseignement du Christ n'était pas une doctrine nouvelle. C'était la révélation de ce qui avait été enseigné dès le commencement. Mais la vérité divine avait perdu sa signification primitive et sa beauté aux yeux des pharisiens. L'enseignement du Christ leur faisait l'effet d'une nouveauté et ils ne surent reconnaître la valeur. Jésus montra comment des faux enseignements ont le pouvoir d'empêcher d'apprécier et de désirer la vérité. Luc 5, 39. Personne, dit-il, après avoir bu du vin vieux, n'en veut de nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Toutes les vérités qui avaient été transmises par les patriarches et les prophètes resplendissaient avec une beauté nouvelle dans les paroles du Christ. Mais les scribes et les pharisiens ne désiraient nullement ces précieux vins nouveaux. Tant qu'ils n'étaient pas émancipés des vieilles traditions, des vieilles coutumes, des vieilles habitudes, les enseignements du Christ ne pouvaient trouver une place dans leur esprit ou dans leur cœur. Ils s'attachaient à des formes mortes, tournant le dos à la vérité vivante et à la puissance de Dieu. Ce fut la ruine des Juifs, et ce sera encore la ruine de beaucoup d'âmes de nos jours. Des milliers de personnes commettent la même erreur qui fut commise par les pharisiens que le Christ réprimanda à l'occasion du festin de Matthieu. Plutôt que d'abandonner une idée chérie ou de rejeter quelque opinion devenue une idole, elles refusent d'accepter la vérité qui descend du Père des Lumières. Confiantes en elles-mêmes, s'appuyant sur leur propre sagesse, elles ne se rendent pas compte de leur indigence spirituelle. Une religion légaliste est impuissante pour conduire les âmes au Christ. C'est une religion destituée d'amour, d'où le Christ est absent. Le jeûne et la prière, inspirés par un esprit de propre justice, sont une abomination aux yeux de Dieu. L'assemblée des cultes solennels, le cycle des cérémonies religieuses, l'humiliation extérieure, le sacrifice que l'on s'impose, tout ceci proclame que l'on se considère juste, ayant droit au ciel, mais ce n'est qu'en leurre. Nos œuvres ne peuvent acheter le salut. Les pharisiens d'aujourd'hui, comme les contemporains du Christ, ne connaissent pas leur dénuement. C'est à eux que s'adresse ce message. Apocalypse 3, 17-18. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La foi et l'amour sont l'or éprouvé par le feu. Il en est beaucoup qui ne distinguent plus l'or et qui ont perdu le riche trésor. La justice de Christ est, pour eux, une robe jamais portée, une fontaine à laquelle on n'a pas touché. On pourrait leur dire « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas leur cœur contrit et brisé. Un homme doit être entièrement vidé de lui-même s'il veut devenir un croyant en Jésus dans toute l'acception du terme. Quand on a renoncé au « moi »,
le Seigneur peut faire de nous une nouvelle créature. Les outres neuves peuvent contenir le vin nouveau. L'amour du Christ communiquera aux croyants une vie nouvelle. Le caractère du Christ sera reproduit chez celui qui regarde vers l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais le propre juste d'alors et celui d'aujourd'hui n'éprouvent pas les besoins d'un cœur nouveau. Jésus laissa de côté les scribes et les pharisiens qui ne sentaient aucun besoin d'un sauveur. Ils avaient épousé des formes et des cérémonies. Ce service avait été institué par le Christ. Ils avaient été pleins de vitalité et de beauté spirituelle. Mais les Juifs avaient vidé leurs cérémonies de toute vie spirituelle et ils s'attachaient à des formes mortes, vidées de leur substance. Ayant tourné le dos aux exigences des commandements de Dieu, ils cherchaient à combler le vide en multipliant leurs propres exigences. Allant au-delà de ce que Dieu demandait, plus ils devenaient rigides et plus l'amour et l'esprit de Dieu leur faisaient défaut. Le Christ dit au peuple, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sous les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les vieilles outres de nos jours. Quand le Christ est venu dans le monde, les chefs des Juifs étaient tellement imbus de pharisaïsme qu'ils n'ont pu recevoir ses enseignements. Jésus les a comparés à ces outres en pot ratatiné, totalement inutilisables pour recevoir le vin nouveau de la vendange. Ils devaient trouver de nouvelles outres dans lesquelles verser le vin nouveau de son royaume. C'est pourquoi il se détourna des pharisiens et choisit d'humbles pêcheurs de Galilée. Cette même expérience se répéta de manière remarquable vers le milieu du XIXe siècle. Dieu suscita un grand réveil parmi les églises protestantes américaines à la suite des découvertes prophétiques de William Miller. Ce mouvement fut connu sous le nom de mouvement millérite. William Miller, en étudiant les prophéties de Daniel, arriva à la conclusion que Jésus reviendrait en 1843-1844. Après une meilleure compréhension des Écritures, les millérites découvrirent que, à la fin de la période des 2300 jours-années de la prophétie de Daniel 8-14, Jésus était rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour procéder à l'œuvre de purification. Daniel 8-14. Nous vous invitons à voir la vidéo sur Daniel 8 et 9. Pour comprendre cette prophétie des 2300 soirs et matins. L'étude de la Bible produisit un criblage dans les églises protestantes. Celles-ci fermèrent les portes à la vérité apportée par les millérites et excommunièrent les membres qui acceptaient ces nouveaux enseignements. Les vieilles outres ne pouvaient contenir le vin nouveau. À partir de là, avec un petit nombre de croyants, Dieu révéla des vérités d'une très grande importance pour le monde chrétien. Des vérités non pas nouvelles, mais jusqu'à là incomprises. De même que l'enseignement de Jésus paraissait nouveau aux pharisiens, ces vérités paraissaient étranges aux églises protestantes, quand en réalité c'était une juste compréhension de la vérité biblique. Quels sont les enseignements que Dieu révéla à ces groupes de fidèles et qui représentent le vin nouveau pour notre époque? J'y vais citer les plus importants et les commenter brièvement.
ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. La croix ne marqua pas la fin de l'œuvre de la rédemption. Jésus, après son ascension, est rentré dans le sanctuaire céleste pour continuer son œuvre de rédemption. En 1844, il rentra dans le lieu très saint pour procéder à sa purification. Daniel 8, 13, 14, Hébreux 8 et 9. Deuxième enseignement, la sainteté du sabbat du quatrième commandement. Les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu sur des tables de pierre. Ils sont immuables. Jésus à la croix abolit les fêtes cérémonielles qui pointaient vers sa venue. Parmi ces fêtes, il y avait aussi des sabbats cérémoniels, dont Paul parle comme étant cloués à la croix. Le sabbat du quatrième commandement est à part depuis la création du monde. Il constituera un test pour le peuple de Dieu à la fin, pendant la crise de la marque de la bête. Un autre enseignement, l'état inconscient des morts. Les morts ne savent rien. Ils se reposent dans la tombe jusqu'au jour de la résurrection. La Bible est très claire là-dessus. Voyez notre vidéo sur la mort et sur l'enfer. Un autre enseignement, la mortalité de l'âme. Contrairement à l'enseignement traditionnel chrétien, l'âme n'est pas immortelle. Le corps, sans le souffle de vie de Dieu, retourne à la poussière. Il ne vit plus, il disparaît. Ceux qui auront part à la première résurrection hériteront de la vie éternelle. Les autres seront anéantis définitivement pour toujours. Aucune âme n'est immortelle en soi. Dieu seul possède l'immortalité. Un autre enseignement nouveau, le message des trois anges d'Apocalypse 14. Le dernier message que Dieu envoie à l'humanité est contenu dans le message des trois anges d'Apocalypse 14. Chaque ange a un message particulier. Le premier ange annonce l'heure de jugement. Depuis 1844, Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer ce jugement dit préliminaire ou jugement investigatif, qui décidera de la vie éternelle de chacun. Quand Jésus revient, le sort ou la destinée de chacun est irrémédiablement fixé. Le deuxième ange annonce la chute de Babylone. Cette chute n'est pas encore complète et le sera lors de l'instauration de la marque de la bête. Et le troisième ange avertit le peuple de Dieu du danger de la marque de la bête. Plus tard, en Apocalypse 18, nous trouvons un quatrième ange qui vient joindre sa voix à celle du troisième pour dire au peuple de Dieu « Sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Ces trois messages constituent la vérité présente que Dieu veut proclamé au monde aujourd'hui, et ceci jusqu'au retour de Jésus en gloire. Un autre enseignement nouveau, la compréhension de la marque de la bête. Ce sujet est d'une importance capitale pour nous qui vivons à la veille de son accomplissement. Nous devons comprendre qu'est-ce que la marque de la bête pour ne pas la recevoir et être des victimes de son pouvoir. Malheureusement, les églises protestantes ont fermé les portes à ces nouvelles vérités qui n'étaient pas vraiment nouvelles puisqu'elles venaient de la parole de Dieu. Le monde protestant, comme les vieilles outres, fut incapable de recevoir le vin nouveau que Dieu envoyait au monde. Aujourd'hui, une grande confusion règne au sein du monde protestant car il a rejeté la lumière venant du ciel. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse reçoivent une interprétation fausse qui égare les âmes. Le protestantisme a apostasié. Il est représenté dans le livre de l'Apocalypse comme le faux prophète. C'est lui qui s'unira avec la papauté pour persécuter le peuple fidèle des dieux. Ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. En conclusion, les vieilles outres
représentent les pharisiens, les légalistes, les formalistes, ceux qui sont fermés à des nouvelles doctrines bibliques, qui ont peur d'investiguer la parole pour trouver de nouvelles vérités. Et enfin, ils représentent le protestantisme apostat. Les outres neuves représentent les âmes qui reçoivent avec joie la lumière que Dieu leur envoie, les cœurs ouverts à l'œuvre de la grâce, les personnes ouvertes et prêtes à se remettre en question, désireuses d'étudier la parole et de conformer leur vie à ses enseignements. Le vieux vin représente les traditions humaines transmises par les ancêtres. Le vin nouveau pour notre époque représente toutes ces nouvelles doctrines que Dieu a révélées. Le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste, la sainteté du sabbat du quatrième commandement, l'état inconscient des morts, la mortalité de l'âme, le message des trois anges d'Apocalypse 14, la compréhension de la marque de la bête, et d'autres. Comme les pharisiens d'autrefois, les protestants aujourd'hui veulent continuer à boire le vin vieux. Ils refusent le vin nouveau que Dieu a apporté au monde. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Ce vieux vin perdra des milliers d'âmes. La crise de la marque de la bête tombera sur le monde protestant par surprise, car leur compréhension, leur application prophétique est fausse. Ils seront victimes de cette grande supercherie diabolique pour amener les croyants à déshonorer Dieu en transgressant sa sainte loi. Sortez de Babylone, mon peuple, c'est le dernier cri que Dieu adresse à l'humanité. Cher ami, Dieu a encore besoin aujourd'hui des nouvelles outres prêtes à recevoir le vin nouveau. En ferez-vous partie ?